Parlons renforcement de capacité. La nouvelle parfumerie Gandour a organisé une formation sur la sécurité et la santé au travail. La cérémonie de lancement au sein de la société a été l'occasion de célébrer avec ses partenaires la Journée mondiale de la sécurité. L'un des objectifs de cette séance de formation est de montrer l'engagement de la structure à impliquer le personnel dans la sphère sécuritaire pour une opération zéro accident en entreprise. Les détails avec Ange Assimian et Richard Akeke. Le 28 avril dernier, le monde a célébré la Journée de la sécurité. La nouvelle parfumerie Gandour, en phase avec cette 20e édition, a initié une formation en faveur de ses employés et de ses partenaires pour montrer la valeur qu'elle attache à la culture de la sécurité. Mais aussi, cette cérémonie a pour but de consolider sa collaboration avec ses partenaires. C'est important de mener une politique et mettre les ressources pour pouvoir répondre et pour mettre l'ambiance nécessaire pour les employés, qu'ils soient à l'aise et qu'ils soient vraiment dans les meilleures conditions pour l'efficacité du travail. Ça, c'est très important et on a vécu ça et on a compris un peu l'importance d'être toujours vigilant et d'être toujours à côté de nos équipes et nos collaborateurs. Comment instaurer une culture de la santé et de sécurité positive selon le thème proposé par l'Organisation internationale du travail, surtout après la crise sanitaire qu'a connue le monde? Il s'est agi de montrer à travers les sociétés du secteur public et privé l'importance de la culture de sécurité, un point crucial pour leur développement. La nouvelle parfumerie Gandour a partagé cette vision avec les sociétés voisines. Aujourd'hui, avec la cérémonie, avec la journée mondiale, nous avons voulu mettre l'accent, mettre en exergue cette façon de faire pour la partager avec nos employés, partager avec nos partenaires. C'est important aujourd'hui de les impliquer, de leur dire voilà notre travail, voilà ce qu'on est en train de faire et vraiment renforcer à travers cette journée cette relation de partenariat avec les institutions. Des interventions autour du dialogue social, du stress au travail en passant par le plan de continuité des activités ont meublé la cérémonie de lancement officiel, donnant un aperçu clair des réalités du travail à prendre en compte. Nous voulons au passage saluer donc cette initiative, puisque plusieurs entreprises aujourd'hui n'en font pas forcément une priorité pour se dégager du temps, se dégager les moyens et inviter les acteurs ou les parties prenantes qui pourraient impacter leur sécurité. La nouvelle parfumerie Gandour, qui a mené plusieurs activités sociales, a été victime d'un incendie en 2013. Aujourd'hui, avec plus de 80% du personnel formé en la matière, toutes les dispositions sont prises au niveau sécuritaire pour un objectif zéro accident.